Bonjour à toutes et à toutes, en ce mercredi 6 ou 5, je sais plus. 6. 6, oui, parce que demain je reprends le boulot, comme je vous avais dit. Quoi, Sia? Tes cheveux, ça Il y a la vieille qui est là. ça fait bizarre tes cheveux comme ça. Oui, monsieur, lavé les cheveux, regardez, on dirait un hérisson. J'ai les cheveux qu'ils ont poussés au-dessus de la tête, vous savez, on dirait les bébés, quand ils commencent à avoir des cheveux, ça fait comme une tête d'hérisson. Oui, j'avoue, c'est marrant. Ça fait sympa, regardez. En plus, des cheveux blancs, en plus, ça fait bizarre. Ah, et plus ça, j'ai les cheveux blancs. Wow. Donc, tout à l'heure, je vais me raser parce qu'il faut que je sois quand même un petit peu propre, présentable pour aller au boulot. Par contre, je sais pas quand ça ferme ta boîte d'intérim, Ouais. Et bah voilà, je reprends le boulot demain. Donc, ce soir, bien sûr, bah, rebolote, hein, je vais pas traîner. Je vais pas traîner à 9h30, 10h, c'est au lit. Parce que demain, c'est le grand jour demain. Oh, moi aussi, Je reprends le taf demain. Ah, célibataire demain. ça va faire bizarre. Reprendre le taf. Ah. Bah 2 semaines et demie quand même, hein, Ah, sans. il va me ramener mon saumon, je pourrais manger du saumon. Ouais, et je vais ramener mon petit colis de Noël. Que dire, le saumon, les avocats, les tomates, enfin un peu de tout quoi, un peu de tout. Alors aujourd'hui il y aura 1, 2, 3, il y aura 4 vidéos de co-course, mais des vidéos différentes. Bien sûr, vous avez le gros patapouf qui est là. Il m'a fait des léchouilles tout à l'heure, c'est rare qu'il fait des léchouilles, Maout. Hein? Ça va faire 2-3 fois qu'il me fait des léchouilles. Bon, d'habitude, il le fait jamais. Moi, pour répéter. Bah, on va commencer par Fukuyamauchi. Et puis, il y a le noirou qui est là. On va commencer par les concours de Lidl. Comme d'hab, hein. C'est celui qui a fait les courses. Je l'ai sorti un petit peu aujourd'hui. Door prize. Je l'ai sorti un peu aujourd'hui. Bon, vous pouvez décaler un papa? Oh, pas décaler. Il y a la queue-queue. Alors, Berk, plein de poils. On a pris du sopalin, bon, on a un qui est déjà entamé, bon, on l'a mis direct dans le bordel. C'est trois tourelles. C'est 3 rouleaux Oui. égale 9 rouleaux classiques. Qui veut dire, je sais pas pourquoi ils ont marqué ça. Ça veut dire quoi? Essuie-tout compact. 3 rouleaux compact égale à 9 rouleaux classiques. J'ai pas trop compris le délire. Hein. Mais bon, C'est pas grave. si vous arrivez à comprendre, marquez-le moi en barre d'infos. Moi j'ai pas trop compris le truc. En tout cas, voilà, on avait besoin. J'ai au moins cette fois-ci j'ai pensé au sopalin. Ah, on a oublié le Javel. Oh non, c'est bon. Non, mais déjà hier, t'as oublié le bidon. Parce que tu m'as dit qu'ils avaient remis. Oui, ils ont remis le bidon, s'il fait un peu mousseux. Cécile, elle a pris du Gouda Mimolette. Non, il y a trois fromages normalement. Quatrième out. Il y en a trois Oui, normalement, c'est du non? fromage, Maout. Gouda Mimolette. Ah bon, il n'y a que Gouda Oui, il Mimolette. y a que Gouda Parce que Mimolette. normalement, il y a de l'Edam aussi. Oui, mais là, ils ont fait Je sais que pas, ça. ouais. Donc, à ces prix, ça, c'est des pots de 150 grammes. Bah, je pensais plus. Je pensais plus. Bon, elle aime bien ça, donc voilà. Mais dans la salle. Que tu fais mon beau petit sac, il est pas glissé. Bon, si je me cache. Je suis caché mon petit sac. J'ai pris du Tabasco parce que le mien il commence à plus rien avoir. Et en ce moment j'ai envie de Tabasco, je sais pas pourquoi. Je veux que mon cucu il chauffe, donc voilà, j'ai repris du Tabasco. Ça c'est très très bon pour mettre un petit peu de tout dans les viandes, dans les pâtes, les pommes de terre, dans la salade. Ça va un peu partout, ça. C'est très bien. Blaco, tu fais quoi? Je le refais en plastique. Oui, mais après, tu vas étouffer. Attends, papa, il enlève les trucs. Attends.
Bah, il n'a pas voulu arriver. Hein. Voilà, maintenant tu peux aller dans le classique. Voilà. Oh, celui-là, c'est dingue. Pareil de voir ce qu'il est. Ah, regardez-le. Et carrément dans le plastique. Il fait son foufou. Un blaco. Et fais pas comme Chloé, mais pas le sopalin par terre. Hein. Qu'est-ce que tu sens? Par contre, si tu peux tomber ta bascule, ça va sentir le piment. Et puis il y a le gros patapou qui est là, dedans, comme d'hab. Hein. Donc voilà, donc on va continuer. Oh pardon, ma haute. Oui, c'est du crac-crac. J'ai pris du chorizo. Du chorizo doux. Comme il était pas trop cher, il était à 1€ des poussières. Eh, moi, ça, c'est mes doigts, Black ma haute. C'est pas le plastique. Il est en train de mordiller les doigts. Donc il était à 1,50€, donc vraiment vraiment pas cher, parce que normalement le chorizo il est pas donné. En plus du produit doux, donc comme j'aime bien, enfin j'aime bien pimenter aussi, hein. Mais voilà, j'ai préféré prendre du doux, c'est un paquet de 225 grammes. Blanco c'est carrément assis sur le. C'est allongé sur le truc. Je pense que c'est pour toi. Bah oui, quand j'arrive. Hein. Cécile a ses prix du hachis parmentier, voilà, elle avait. Oui, c'est oui, vous allez me dire, on peut le faire maison, oui, voilà. Oui, mais là c'est pour le midi. Si mais c'est pas, pour le midi, ça a un petit creux, peut-être pour tout à l'heure ou pour demain midi, voilà. Ça lui fait un petit plat, c'est des plats d'une personne, 2 minutes au four au micro-ondes et 300 grammes, voilà, un petit hachis parmentier. Mais ils sont pas dégueux, ça va, ils sont bons. Ensuite, elle s'est pris un petit fromage à tartiner, moi j'ai horreur de ça, de Aïe et Finzer, 200 grammes, toujours la marque Leader Plate, bien sûr c'est français, et bah, je pense que tout le monde connaît ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, sur des petites tartines ou sur des toasts et tout. Comme le tartare. Ouais, un peu genre le tartare, mais moi c'est pareil, comme le tartare, j'aime pas. Sauf que c'est la sous-marque. Voilà, par moi, pareil, le tartare, j'aime pas ça. Le boursin. J'aime pas le boursin. Oh, tu nous fais quoi là? Comme Cécile avait envie de fromage hier et elle avait oublié, je lui dis bah tu prends pas de fromage aujourd'hui. Elle me dit oh merde, j'ai oublié de fromage. Donc, elle s'est pris du fromage, celui-là, c'est le moins cher. Il est très très bon, il est très crémeux et tout. Et franchement, il est très très bien. On le prend, je le prends. Je vous avais, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que le design de ce fromage là il avait changé. Mais il est toujours aussi bon. Hein. Donc c'est pareil, c'est élaboré en France. Il y a beaucoup de produits en ce moment, ils sont élaborés en France. Je sais pas pourquoi. Alors, d'habitude, c'est d'autres pays. Et il fait 200 grammes. Voilà. Hein, regarde, ok, fromage. Ding, 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 ding. Pareil, Cécile, elle s'est pris du kiri. En ce moment, elle a envie de kiri. C'est du lait frais et crème. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai goûté une fois, j'ai recraché. Je pensais que c'était pareil que la vache kiri, mais je sais pas, ça passe pas. Ça n'a pas du tout le même goût. Il y en a qui disent que c'est le même goût que la vache kiri, c'est souvent les enfants qui disent ça. Mais moi j'ai goûté, franchement, ça n'a pas du tout le goût de la vache kiri. Donc, bah j'aime pas, voilà, tout simplement. Donc il y en a 12 dedans, et bah, bien sûr c'est encore un produit frais, 100% frais. 100% français et c'est des paquets de 240 grammes. Donc je sais pas, ça va être des petits, sûrement des petits cubes, des petits carrés, on sait rien. Donc ça carrés, se présente comme ça. Les kiri. Donc je pense que tout le monde connaît le kiri. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui en achètent pour leurs enfants ou même pour eux. Mais moi, comme je vous dis, moi personnellement, j'aime pas ça. Oh, Guigui, il aime rien, hein. Mais oui, hein, chacun ses goûts. Hein. Et cette fois-ci, elle s'est repris du hip-hop. Ça a craché dans mon yop. Voilà, c'est le petit cousin du yop. C'est là, ça s'appelle hip-hop. Et c'est 850 grammes. Et cette fois-ci, elle a pris parfum vanille. Je sais pas si vous allez bien voir comme c'est écrit en jaune.
Donc moi je vais goûter aussi parce que comme j'aime bien la vanille. Donc on me fera goûter. En ce moment là, bah, elle a envie de ça aussi, des petits yaourts à boire comme ça. Ça fait pas mal, il y a de la vitamine et tout ça dedans. C'est bien. Ah Maout. Arrête de te laver Maout. Après on va dire que t'es trop propre. T'as les poils trop brillants. Comme sur hier sur la vidéo que je vous ai mise, vous rappelez, j'avais racheté du dés de fromage parce qu'il était en promo. Donc là, j'ai repris un deuxième pot. Comme ça nous fait deux pots de petits dés de fromage de brebis. Mais il est super bon, franchement, il est génial. Je pense que vous le connaissez aussi, ça. C'est vraiment, vraiment très, 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 très bon. Mais il est en deux sortes, hein. C'est au poivron celui-là. Non, herbe de Provence. Eh oui, au poivron. Ah voilà. Poivron rouge. Mais t'en as un qui c'est carrément nature. Et apparemment, celui-là, c'est bah, les deux, les aux herbes de Provence et poivron rouge. Tu mets ça dans de la salade, juste de une petite salade verte. Tu mets ça dedans avec le petit jus. Bon, on te met pas tout, hein. Après, ça va être trop gras, mais t'en mets juste un petit peu. Et franchement, c'est. Bah, tu te déchires ta panse. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais bon. Ensuite, c'est pas fini. Oui, bébé. Ensuite, du coup, bah, je voulais manger une petite boîte bah, ce midi. On est rentré, c'était 14h. Je vais manger une petite boîte et du coup, bah, j'ai bu un café avec un chocolat, avec un pain au chocolat. J'ai mangé un autre gâteau et j'ai mangé deux clémentines. Du coup, ça m'a rasié, j'ai plus faim. Bah, du coup, bah, tant pis, c'est pas grave. Ma boîte de chili con carne, bah, ça sera pour mon taf la semaine prochaine. Voilà, ou peut-être pour vendredi. Déjà pour demain, bah, j'ai ma lasagne. J'ai ma lasagne à manger et puis bah, je verrai pour vendredi. Voilà, une grosse boîte. Ça fait un bon petit moment que je n'avais pas pris. C'est des boîtes de 820 grammes. Et franchement, ils sont. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, qui aiment bien le chili, mais moi j'adore. Mais c'est pareil, le chili con carne, on peut le faire soi-même, on peut le faire maison. Mais c'est pareil, c'est quand même pas mal de boulot. Alors, Cécile a pris, elle a voulu tester le filet de colin d'Alaska, des tranches panées, fourrage à la tomate. Donc, c'est nouveauté de chez Leader Price. Et puis, bah, c'est la première fois qu'on en prend. Donc, on va tester ça, on va tester, oui. On va tester ça dans la semaine prochaine. Bien sûr, c'est des trucs congelés, hein, je vais le mettre dans le Il y en a congélateur. combien dedans? Et dedans, bah, il ne marque pas. Il y en a 8. C'est 8 petits panés de 75 grammes. C'est bon jusqu'en 2022, donc voilà, on a le temps. Ah, c'est l'année que le Covid il va se finir, apparemment. Et en total, c'est un paquet de 600 grammes. Donc voilà, donc si vous connaissez pas. Si vous en avez jamais vu, si vous avez un Leader Price, bah, pourquoi pas le tester aussi. Hein. Nous, on va le tester, on verra bien. On vous dira ça si c'est bon. Ils avaient des buns au barbecue. Ah ouais? Par contre, on a mangé, je sais pas si je vous l'ai dit, on avait mangé les petits hamburgers, vous savez, que j'ai acheté au marché. On les a mangés comme ça. Hein, hamburgers, bébé hamburger avec le foie gras et tout. Oh. Une tuerie, on s'est régalé. Du coup j'en ai repris. En plus j'ai dit à la dame, elle dit c'est une tuerie, on s'est régalé et tout, elle était super contente. Et elle dit aussi ma femme elle avait pris d'autres produits de chez vous et elle les a mangés, c'est pareil, une tuerie, du coup elle en a repris. Et bah la dame était contente, voilà, t'es contente que. Elle a eu que des félicitations, même il y avait d'autres clients, c'est pareil, ils ont dit ouais, c'est super bon et tout. C'est bien quand t'entends, dès le matin, tu entends des compliments comme ça fait plaisir, quoi. Ça donne envie encore plus de travailler et tout. Et du coup, bah, moi j'ai repris des nems, cette fois-ci au poulet. Là, je me suis pas fait avoir comme hier.
que j'avais pris, sans faire gaffe, j'ai pris deux porcs au lieu de prendre un porc et un poulet. Du coup, là, j'ai pris du poulet. Donc, ça en fera un petit peu plus, mais bon, c'est pas grave. Hein. On mange, si on finit pas tout, bah, on mangera le lendemain, hein, c'est pas trop grave. Hein. Donc, voilà, c'est des petits nems. 300 grammes, il y en a 4 dedans. Et c'est ça, les fait cuire au beurre et au beurre ou un petit peu d'huile, l'huile d'olive à la poêle. Ils deviennent croustillants et un bijou. C'est super, super bon à la poêle. D'habitude, moi, je les fais chauffer directement au four à biberon. Je m'en bats les couilles, moi. Moi, je le fais directement au four à micro-ondes. Puis Cécile a dit, ouais, j'en ai marre à manger au four à micro-ondes. Bah, je vais tester avec la... J'ai les testé à la poêle. Et franchement, depuis qu'elle est faite à la poêle, mais je la laisse faire parce que moi, tu peux être sûr que les trucs sont cramés. Et depuis qu'elle fait la poêle, franchement, je me régale. C'est vraiment un truc, un délice. Ensuite, je me suis repris ma petite bouteille de Mega Force Taurine, parce que l'autre, bah, comme je le dégomme dans la nuit, bah, il me reste plus que ça. J'ai tout dans la nuit, j'ai tout dégommé en 2 jours, j'ai tout dégommé. Mais comme elle est pas chère, elle est 1,68 €. Donc voilà, c'est pas, on va pas se plaindre. Et il est pas mal, franchement, comme petit truc, taurine, il est pas mal. J'aime bien. Donc j'ai repris une bouteille. J'ai repris un soda. Cécile, en ce moment, le soda, bah, elle cartonne aussi sur le Ouais, soda. mais je pense qu'on a un peu à avoir marre de celui-là. Bon, vous l'entendez, apparemment, elle commence à en avoir Commence marre. à repartir un peu sur ça. Elle en a un petit peu marre, donc on va arrêter d'en prendre Ou alors. alors, ouais, ou l'autre là qu'on prenait. Il y a un autre normalement dont la bouteille est plus grande. Qui font comme ça aussi. Oui, mais c'est pas du soda, c'est du. T'as même aux fruits rouges. Oui. Oui, bah ça, ils en ont toujours, ça. Ah, j'ai pas vu tout à l'heure. Bah si, ils en font toujours. Et même encore, je crois qu'il est même encore moins cher que le soda. Changer un peu, mais je commence à. Voilà. Donc, je connais une mamie qui va encore râler. Ah, un truc. Mamie chérie, j'ai repris du cola. Elle va m'engueuler. Un jour, elle va m'attraper dans la rue, elle va m'arraber. Donc, Ouais. j'ai repris un petit peu de cola, ma mamie. Hein. Et bah, c'est tout pour le premier sac. Donc là, c'est pas moi qui a payé, hein, c'est Cécile. Un peu comme moi, comme hier, pratiquement. Elle en a eu pour 29 068 centimes, donc ça va quoi. C'est pas trop trop cher. Tu veux un boubou? Ouah! Je dis à Maous, à Blacko, tu veux une bouboule? Elle fait ouah! Tu veux des bouboules? Tu veux un bouboule? Tiens, les bouboules. Ah, les bouboules! Hop, allez, attrape! Hop! Oh, t'es feignant aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, hop, sur la tête à Mon Blacko. bobo, Ah, il peut pas Maous. être la bobole. Sur la tête à Maout. Ouah! Ouais, il faut que Sur tu fasses aussi la la tête à part. Maout. Où est-ce que tu veux mettre Maout? Tu la tête à Blacko, là, coquin, là? Où est-ce que tu veux la tête à Youp? Non, tu la tête à Blacko, là, coquin. C'est un peu tombé bébé, tu vas. Voilà, et puis son foufou. Oh, le cucu! Le cucu bébé, c'est à qui, le cucu bébé? Ouah! Ouah! Il fait le chat. Le chat tigré. J'aime bien comment il saute. Il a pris la manie de sauter sur le côté comme ça. Il saute pas comme les chats normaux. Lui, il fait un petit élan et tchouc, le petit cul sur la droite et puis il saute. Enfin, sur la gauche, je veux dire. Sur la droite, il reste sur la table. Et Maout, il est là. J'ai mis son petit papier. J'ai mis son petit papier sur lui. Bah, il s'en bat les foufouilles. Donc sur ce, voilà, je vais vous laisser. Donc si vous aimez cette petite vidéo un peu foufou, avec des bons produits, donc n'oubliez pas de... Ah, il joue là-bas, il joue, qu'est-ce qui t'arrive parce qu'il va neiger dehors. Et puis je joue avec le papier. Comme je vous dis, Maous, il joue une fois par an, lui. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, bah, n'oubliez pas de liker, de partager, de sonner la petite cloche. De vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner sur ma deuxième chaîne, l'univers painting et création. Sur la chaîne à Cécile, Queen Cécile, hein, tout en majuscule. Et je vous redis encore, bah, n'oubliez pas d'aller sur les chaînes d'abonnés que je vous ai citées la dernière fois.
N'hésitez pas d'aller vous abonner à leur chaîne. Ils sont merveilleux, ils sont gentils, c'est des gens très très doux. Et franchement, ils font pareil, de très belles petites vidéos. Donc, ils méritent aussi d'avoir plus d'abonnés. Bon, bah, je crois que j'ai tout dit. Hein. Donc, on va attaquer la deuxième. Donc, c'est pour ça que vous allez voir en quatre fois avec le même maillot, parce que c'est le même jour. Hein. Bah, je vais attaquer la deuxième. Allez, on vous fait des gros gros bisous. Et à tout à l'heure. Bisous les amours. Excuse-moi.